Oh, la tête que tu fais, papa, sur cette photo. T'avais vu un ours ou quoi? Presque. Je venais de découvrir Agaric dans son costume de carnaval. Plus vrai que nature, non? Hé, Agaric, viens te voir, t'es trop marrant là-dessus. Agaric, oh, Agaric. C'est Cui-Cui. Vous vous souvenez de lui? Oh, c'était mon Cui-Cui. Oh là 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 là, mon Cui-Cui, tu as froid, hein? Attends, je vais vite te sécher. Oh, pardon, Cui-Cui. C'est qu'il faut la soigner, cette patte. Elle est encore un peu fêlée. Avec ce bandage et un peu de crème de lavande, ton bobo sera bientôt guéri. Je te promets. Et maintenant, Cui-Cui, au dodo. Tu dois te reposer si tu veux revoler bientôt. Zinia dit souvent que... Oh! Oh, tu t'es fait bobo, Cui-Cui d'amour. J'aimerais tellement voler avec toi, tu sais. Vous êtes jaloux que c'est moi qui ai trouvé Cui-Cui. Et que c'est moi qui l'ai soigné. Vous aimeriez bien avoir un ami oiseau, vous aussi, hein? Bof! Oh. Un ami qu'il faut laver, soigner et qui parle pas en plus, non merci. Oh. Et toc, il a dit que vous étiez idiot et pas gentil du tout. Tu comprends les oiseaux, toi, maintenant? C'est la meilleure. Parfaitement. Cui-Cui et moi, on se comprend très bien, si vous voulez savoir. Bien vrai, Cui-Cui? Oh. Allez, Oust, maintenant. Il doit se reposer. Sa patte lui fait encore très mal. Bonne nuit, mon Cui-Cui. Mais oui! Voilà une idée géniale pour Cui-Cui. Papa! 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 Il faut fabriquer un ballon dirigeable pour Cui-Cui. Comme ça, il pourra aller un peu dans les airs. Ça lui fera beaucoup de bien. Ben quoi? Pourquoi vous faites cette tête? Il n'y a plus de gâteau à la carotte ou quoi? Agaric, mon chéri, j'ai quelque chose de très triste à te dire. D'encore plus triste que le jour où nous avons quitté pour toujours notre ancienne maison. Encore plus triste? Ton papa l'a retrouvé mort dans sa cage ce matin et l'enterre est là. Il était gravement blessé quand tu l'as trouvé dans la forêt. Personne n'aurait pu le soigner. Tu t'es super bien occupé de lui. Moi, je dis, il ne pouvait pas trouver meilleur ami que toi. Mais on s'est même pas dit au revoir. Et puis, qu'est-ce qu'il va devenir sans moi? Agaric, alors qu'il est, Cui-Cui est parti très très haut dans le ciel. Je suis certain qu'il s'est trouvé un nuage douillet. Tu ne me toucheras pas, tu ne me toucheras pas. Lapin perché. À toi, je t'attrape. Cours, dent de lion, cours. Va te percher, vite. Il arrive, vite, vite. Oh là là. Mais qu'est-ce que tu fais? Lapin perché. Oups, elle est un peu cassée, ta baignoire, maintenant. Elle était à Cui-Cui, cette baignoire, et c'est moi qui l'avais fabriquée. Oh, ça va. De toute façon, elle ne lui sert plus à rien. Papa, il a dit que Cui-Cui avait sa maison dans les nuages, maintenant. Alors, tu sais, il doit avoir une baignoire aussi. Vous comprenez rien. Rien de rien. Allez, on va la lui réparer, sa baignoire. Personne ne pense à Cui-Cui. Personne. Il est tout seul sur son nuage, avec ses petites pattes blessées. Et je lui ai même pas refait son pansement. Mais... Et moi, si j'allais tout près des nuages aussi, je pourrais crier et Cui-Cui m'entendrait. J'arrive.
croyez qu'Agaric va la trouver changée? Agaric est tellement triste qu'il trouvera toujours quelque chose à redire. Je ne vois pas ce qui pourrait lui rendre le sourire. On pourrait faire un pistacle de clown. Et même, on pourrait se déguiser en cuicui. Mais bien sûr, je sais ce qu'il faut faire. Cric, crac, boum, faites-moi confiance. On va lui redonner le sourire en deux temps, trois mouvements. Oh. Dans quel pédrin tu t'es mis, lapin? On t'a jamais dit que l'escalade c'était réservé aux écureuils? Ben merci. Un peu plus si je passais toute la nuit ici. Je m'appelle Noisette. Ça fait juste 3 mois que je vis dans la prairie. Et moi, je voulais juste m'approcher des nuages. Ben t'es pas prêt d'y toucher à l'allure où tu grimpes. Évidemment, t'es comme les autres. Tu peux pas comprendre. Oh, je rigolais, excuse-moi. Tu es un pro de l'escalade. Je peux peut-être t'aider. Ben, c'est que je voulais aller le plus haut possible dans le ciel pour parler à mon ami Cui-Cui. Il est parti pour toujours et je n'ai pas eu le temps de lui parler. Mais si tu veux lui parler, c'est pas en grimpant sur cet arbre que tu y arriveras. Il est bien trop petit. Non, c'est sur le phare de la forêt que tu dois aller. Le phare de la forêt? Mais c'est quoi? Mais c'est où? Il est niché sur l'arbre le plus grand de toutes les forêts. Et il y a que les écureuils qui le connaissent. Il paraît que c'est un vieux sage écureuil qui vit dedans pour surveiller les forêts et prévenir les incendies. Il est dans la forêt des bois cassés. Si tu veux, je t'y emmène. Bien sûr que je veux. Et tout de suite. Oh. J'en ai un. Je sais pas ce que c'est, mais il est gros et... Oh. Oups, désolée. Trouver un petit animal qui remplacera Cui-Cui. Moi, je dis, autant chercher une carotte dans un champ de navets. Un petit oiseau, il est tout seul, le pauvre. Bravo, Dent de Lion. T'inquiète pas, petit oiseau, Agaric va bien s'occuper de toi. Oh, il se laisse pas faire. Attention, mes soufflets. Allez, viens, je te dis. Mais c'est qui cela? Ses parents, bien sûr. Ah, tu parles d'un oisillon abandonné. Tout ça t'a pris. T'avais raison, Romarin. C'est pas aussi facile que ça de trouver un petit animal de compagnie. Regardez, je crois que j'ai trouvé. Elle est toute seule et je suis sûre qu'elle a envie de se faire un ami. Oh là là, Noisette. C'est que... j'aime pas trop l'eau, moi, tu sais. Tu connais pas un autre moyen pour rejoindre la forêt des bois cassés? Oh, si, bien sûr, à pied. Si t'es prêt à marcher pendant 2 jours sans boire ni manger et à dormir à la belle étoile avec les renards. Oh. Allez, n'aie pas peur. Depuis que j'ai trouvé cette barque, je me balade très souvent dedans. Et ça ne craint rien du tout. T'as qu'à penser à Cui-Cui, ça te donnera des forces. Oui, c'est vrai. C'est pour Cui-Cui. Alors c'est parti, mon saillon. En avant. On aurait peut-être pas dû l'attacher. Bah, elle voulait s'échapper. Je vais lui faire un bisou. Oh là, tout doux. Tu verras, il est très gentil, Agaric. Et puis il a une super baignoire pour te laver le soir. T'aimes bien l'eau, toi, hein? Oh, moi j'aimerais bien lui faire un bisou. Allez, Quack Quack, juste un tout petit. Moi je dis, ça lui va très bien comme nom, Quack Quack. Alors, bienvenue chez les passifleurs, Quack Quack. Toi non plus, t'as pas pu lui faire des bisous. Oh non, Quack Quack, fais attention, pas par là, non. Le courant est fort aujourd'hui, j'avais pas prévu ça. Évidemment qu'il est fort, il a plu des cordes ces derniers jours. Oh là là. Et ça c'était quoi? On aurait dit un... Non, pire que ça. Oh non.
toi. On ne doit pas lutter. Oh non. C'était la plus belle cascade de ma vie. Saut périlleux, retourné, piqué. Pas facile à refaire. Il faut qu'on aille jusqu'au phare. On n'a pas de temps à perdre. C'est encore loin? Bah, c'est que... Apparemment, on est bien dans la forêt des bois cassés, mais... Où exactement, je sais pas trop. C'est que je n'amarre jamais ici, moi. Comment ça, tu ne sais pas? Hein? Tu m'as amené jusqu'ici. Tu m'as fait prendre ce vieux canot. J'ai failli me noyer dans la rivière. Tout ça pour me dire que tu sais pas où est ce satané phare. Je suis trop bête, j'aurais dû me débrouiller tout seul. Mais Agaric, on est tous les deux, on va finir par le trouver ce phare. On est amis et on baissera pas les bras. Mais je suis pas ton ami. On se connaît même pas. Et d'abord, je n'ai qu'un ami moi. Il s'appelle Cui-Cui. Alors maintenant, rentre chez toi. Je me débrouillerai beaucoup mieux tout seul. Allez, Quack-Quack, viens un peu par là. Oh ouais, on ne te fera pas de mal. Ça, Perlipopette, vous avez perdu quelque chose ou quoi? Non. Regardez. C'est rien, c'est Quack-Quack, la nouvelle amie de Garrick. Elle adore jouer à cache-cache, la coquine. Sapolote, mille carottes. Mais une grenouille, ça ne se dresse pas. Tout ce qu'elle peut faire, ce sont des dégâts dans la maison. Et en parlant d'Agaric, j'aimerais bien savoir où il est. J'ai fabriqué un petit quelque chose pour lui et j'aimerais bien le lui montrer. Bah, depuis qu'il est parti, on ne l'a pas revu. Comment ça, parti? Monsieur le gardien du phare. Monsieur le gardien du phare. Des noisettes, c'est qu'il y a un écureuil pas loin. C'est évident, comme dirait Romarin. Wow! L'arbre le plus haut de toutes les forêts. C'est lui, c'est sûr. Ah ben voilà, beaucoup plus pratique. Qu'un ami lapin, qu'un ami tout court d'ailleurs. Alors tu croyais quand même pas que j'allais le laisser tomber? Merci Noisette. Je suis désolée, tu sais, d'avoir dit de vilaines choses tout à l'heure. C'est bizarre, mais depuis que Cui-Cui est parti, je dis souvent de vilaines choses. Bah maintenant, c'est des jolies choses que tu vas pouvoir dire à ton Cui-Cui. Plus que quelques mètres et on sera là-haut. Alors, vous comptez aller jusqu'où comme ça, petit fouineur? Dans le lion, détache tout de suite Quack-Quack. C'est pas bien de la garder prisonnière. Agaric, Agaric, Agaric. Papa, papa, il n'est pas chez Pimprenelle non plus. Elle l'a pas vu de la journée. Je pars à sa recherche. Et avec la nuit qui tombe, il vaut mieux que je m'équipe.
78 ans que je vis ici. Personne n'a osé monter dans ce phare sans y être invité. Personne. Ah oh oh. Buvez un bon coup et repartez sur le champ. Voilà. Ce phare est secret. Vous n'êtes pas les bienvenus. Surtout lui, le lapin. C'est moi qui l'ai emmené ici, monsieur. Et si je l'ai fait, c'est pour une bonne raison. Ah oui? Et laquelle? L'oisillon d'Agaric est parti pour toujours dans le ciel. Mais il est parti si vite qu'Agaric n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Alors j'ai pensé à ce phare tout près des nuages. Vous savez, monsieur, d'ici Cuicui entendra Agaric, j'en suis certain. C'est la meilleure, celle-là. Mais qu'est-ce que vous croyez? Si on pouvait parler aux oiseaux qui vivent dans les nuages, je serais le premier au courant, non? Il faut vraiment être un gamin pour croire à des choses pareilles. Ou alors, il faut être très bête. Non, je suis pas bête. Pas du tout même. Alors que vous, vous êtes méchant. Oh oui, très méchant. Et fier de l'être, si tu veux savoir. En plus, je déteste les oiseaux. Ces pilleurs qui picorent toutes mes noisettes et salissent mon balcon. Vous êtes moche et rabougri de la tête. Vous vivez dans les nuages, mais votre cœur, il est dur comme de la pierre. Ouais. Vous êtes méchant parce que vous êtes seul et que vous n'avez pas d'amis comme Cuicui. De toute façon, Cuicui n'aurait jamais eu envie d'être ami avec vous. Jamais. Eh bien, justement, ce que je veux, c'est être seul. Des pierres dans le cœur. Un ami comme Cuicui, mais pourquoi faire, hein? Pourquoi? Vite, on doit récupérer ma barque avant qu'il ne fasse trop nuit. Agaric! Mon chéri, réponds-moi! Mais où est-il allé? On y est! Tu vois, on a bien fait de contourner les rapides en passant à pied par la forêt, t'as raison. Oh. C'est de ma faute, hein, tout ça. J'aurais jamais dû t'emmener là-bas. T'as vraiment cru que tu pourrais parler à Cuicui, et maintenant? Tu pouvais pas savoir que ce vieux singe d'écureuil nous accueillerait comme ça. Bah oui, mais comment tu vas faire pour Cuicui, alors? Eh bien, je ne lui dirai jamais au revoir. C'est comme ça. Agaric, enfin! Partir dans la forêt sans mon autorisation? Enfin, Agaric, c'est très dangereux. Promets-moi de ne jamais recommencer. Oui, papa, c'est promis. Mais tu sais... Tout est de ma faute, monsieur. Hein? C'était mon idée d'aller jusqu'au phare. En plus, ça a servi à rien, puisqu'Agaric n'a même pas pu dire au revoir à Cuicui. Comment pouvais-tu imaginer que le gardien serait si peu compréhensif? Et pour Cuicui, tout n'est pas perdu. Ah bon? C'est toi, Agaric, qui m'a donné une petite idée ce matin. Mais si nous voulons la mettre en œuvre, alors nous devons nous dépêcher. Il est là! Agaric est revenu! Oh, mon chéri! Oh, j'ai eu tellement peur, tu sais. On a une surprise pour toi! C'est une surprise qui remue beaucoup, mais qui est très gentille quand même. Tu veux la voir? Pas maintenant, les enfants. Pour l'instant, nous avons quelque chose de très important à faire, tous les trois. Tu viens, Agaric? Ce ballon n'a pas eu le temps de faire voler ton ami Cuicui, Agaric. Mais si tu chuchotes tes adieux dedans, eh bien, ils s'envoleront très haut dans le ciel. Et avec un peu de chance, ils croiseront la route de Cuicui. Mon Cuicui, tu sais, c'est très important que le soir, tu prennes ton bain. Et aussi, n'oublie jamais de mettre un pansement sur ta patte blessée. J'espère que tu te feras plein d'amis là-haut. Plein d'amis, Cuicui.
Papa, tu peux y aller. Oh! C'était quoi? En langage des étoiles, je crois que ça veut dire message reçu. Hein? Hein? Ta surprise vient de nous échapper. C'était quoi, la grenouille? Moi, je voulais qu'elle te fasse plein de bisous. Alors, je lui ai montré comment faire et pouf! Elle a sauté par la fenêtre. C'est pas grave. J'ai plus besoin de petit ami maintenant. Cui-cui, il est pour toujours dans mon cœur. Et en plus, il m'a fait un très beau cadeau. Grâce à lui, j'ai rencontré Noisette. Moi, je dis, c'est beaucoup mieux comme ça, parce que Noisette, au moins, il ne mettra pas la cuisine sans tutu et il n'ira pas faire de galipettes dans la baignoire de Zidia. Ça, c'est pas sûr.